Bonjour les amis, c'est les addicts David Grenier. Alors aujourd'hui, on est allé faire le vide-grenier de le bossé. C'était très grand, mais par contre, on n'avait pas la caméra sur nous. Alors du coup, on n'a pas pu filmer ce qui s'était passé là-bas. Donc, en plus c'est dommage, hein, c'était vraiment beau. J'ai apprécié d'avoir la vidéo, mais bon, c'est un compte rendu que je vous présente aujourd'hui. Alors, on va commencer par un lot Xbox 360. Un feu d'artifice de jeux vidéo. Ouais, Voilà, la noire. c'est la noire, celle-là c'est la plus récente. Voilà. Il y a tous les cordons, la manette et la Kinect. Ouais. L'alimentation, le Kitel. Voilà. Il y a tout quoi, c'est complet. Complet. Après, il y avait des jeux Xbox 360 dans le même lot. Voilà. Halo 4. Il est complet avec le CD1. Et le CD2. Alors Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Complet, la notice, une pub. Voilà. Et le CD. En bon état. Oui, ils sont tous en bon état. Batman Arkham Origins. Complet. Avec la notice qui est un peu abîmée. Ah non, mais c'est même pas. Non, c'est même pas des notices, ça. C'est des. C'est des pubs. Ouais. Que des pubs. Voilà. Après, bon, je pense qu'il doit être à l'intérieur, mais on avait le Minecraft. Il doit être à l'intérieur de la console. Sûrement, parce que il n'y est pas. Ou alors peut-être qu'il n'y est pas du tout et bon, je garderai la boîte vide au cas où j'ai le CD seul. On sait jamais. Après, on a le Avatar The Game. Le film, le jeu du film. Là, on a la notice et le jeu. Alors, Kinect Adventure. Voilà, on peut y jouer. Enfin, c'est pas on peut, c'est on est obligé d'y jouer avec la Kinect. Faut brancher, machin. Voilà. On peut y jouer jusqu'à deux joueurs. Après, FIFA 16. Voilà. Il a juste la boîte un peu cassée là. En bas là. C'est un peu bête. C'est chiant. Voilà. Alors celui-là, c'est aussi avec la Kinect. Carnival, bouge ton corps. Attends, là, il y a mon frère. C'est pour rigoler, c'est.
On disait chéri tout le temps. Voilà, lit complet. Voilà. Alors j'ai eu tout ce lot de la Xbox 360 plus les 8 jeux, enfin 7 parce qu'il manque un CD. On sait pas la... si encore. Oui, on sait pas s'il est dans la Xbox 360, faut que je voie. Pour la somme de 30 euros. Bon, j'ai même pas négocié, c'était raisonnable. Voilà. Après, à la même personne, j'ai acheté un lot de Disney Infinity. Il y avait le jeu Disney Infinity, le premier, c'est ça. Avec le plateau pour mettre les figurines et le bonus ou le monde. Là, c'était sur PS3, le jeu. Après, on a les figurines. Ah. Il y a aussi une petite notice, là, je sais pas. Voilà. Les figurines, alors. On a Violette. Oui, c'est ça, Violette. De Indestructible. Après, on a une figurine de l'étrange Noël de je sais plus quoi là. Il n'y a pas marqué en fait. L'étrange Noël de je sais plus. C'est voilà. Mais en tout cas, cette figurine, je l'ai jamais vue celle-là. Elle est belle. Après, on a celle-là de Monstres et Compagnie. Je sais plus comment il s'appelle lui non plus, mais c'est pas grave. Il est pas marqué. Voilà. Après, on a les Indestructibles aussi. Monsieur Indestructible. Là. Après, on a pareil de Monstres et Compagnie. Monstres. Encore celui-là. Bleu, là. Voilà. Après, on a Jack Sparrow. Ouais. Là. Après, on a celle dans Les Mondes de Ralph. Voilà. Et il y avait les cartes aussi qui vont avec. Il n'y a que 4. Attendez, je vais regarder. 1, 2. Non, il n'y en a que 4. Mais 3 comme ça. Avec un seul personnage. Et là, il y a les trois personnages parce que c'est. Ils étaient avec le pack de démarrage, ces trois figurines. Et ils y sont d'ailleurs. Voilà. Après, on a les mondes et les boosts. Enfin, le monde. Alors, ça, c'est. Il y a. Le monde de Jack Sparrow. Le monde de Monstres et Compagnie, là. Et le monde d'Indestructible. Hein. Et après, on a les boosts ou les super pouvoirs. Je sais plus. Pour Mulan. Dans Cars.
La voiture bleue là. Pour Cendrillon. Pour Volt. Et le dernier pour Peter Pan. Voilà. Alors on continue dans les jeux vidéo. Quel prix tu l'as eu ça? Ah oui, tout ce lot là je l'ai acheté à la même dame. Je l'ai eu pour 5 euros de plus. À la même dame que j'ai acheté les jeux Xbox. Voilà. Après, alors, toujours dans les jeux vidéo, on a le Zelda Twilight Princess pour 10 euros. Alors ça, c'était une boutique, en fait, qui avait exposé juste à côté des stands du vide-grenier, vu que c'était dans les rues du village. Et voilà, elle m'a donné une carte. Mais bon, il n'y avait que celui-là qui était pas cher. À 10 euros, ça pouvait aller, c'était raisonnable. Mais le reste, c'était vraiment... C'était trop cher par rapport à ce que je vois d'habitude. Voilà. Et celui-là, je vous le conseille, hein, il est bien. Il est sorti sur la GameCube, sur la Wii et sur la Wii U. Et je ne l'ai pas encore sur la Wii U. Alors après, on passe à des mangas. Alors on a Ken le survivant. Enfin, il n'y a pas marqué le survivant, mais je pense que c'est Ken le survivant. Voilà. Le numéro 1. Ah mais voilà. Ça c'est la boutique que je vous parlais. Arcade Game. Que j'ai acheté le jeu Wii. Voilà. C'est sympathique si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Au Bossé. Au Bossé. Dans la vieille ville. Arcade Games. Voilà. Après, on a One Piece, le numéro 2, aux prises avec Baggy et ses hommes. Après, on a One Piece, le numéro 3, piètre filiale. Non. Piété filiale. Pardon. Après, j'ai eu une sublime collection de figurines M&M's, des figurines que je n'avais pas. Alors, c'est sur différents stands. J'ai eu une moto comme ça. Bon, par contre, je viens de m'en apercevoir. Elle s'est décollée. Elle était cassée, enfin... Elle était collée, mais ça a dû fondre, la colle a dû fondre. Voilà. Elle est sympa, ça. Et j'ai eu... Celle-là aussi. Voilà. Il y a les bonbons qui tombent là et ça tombe dans le coquillage. On fait comme ça et ça tombe. Et là, c'est rigolo, il y a un poisson. J'ai eu ces deux figurines d'M&M's pour 13 euros. Bon, ça faisait la première fois que je les voyais. Je pense qu'ils sont pas très communs. Alors, je les ai pris. Après, on avait celui-là, la voyante,
avec un dé, là, si vous voyez. On fait comme ça pour le premier, je sais pas. Là, on met les M&M's. Je sais pas trop comment on fait, par contre, pour que ça tombe là. J'ai pas encore essayé, donc je peux pas vous dire. Voilà. Après, j'ai eu... radio réveil que la dame elle m'a dit qu'il fonctionnait. Bon, moi c'est surtout pour l'avoir dans la collection, même s'il fonctionne pas, c'est pas grave, c'est un plus. Hein, là c'est pour augmenter le volume, là c'est pour changer de fréquence, là il y a des boutons, alarme, temps, minute, heure. Là c'est pour l'allumer, pour l'éteindre. Voilà. C'est sympathique. Moi j'aime bien. J'ai déjà au moins une trentaine de figurines différentes de grosses M&M's comme ça, de grosses figurines comme ça M&M's. Après les petites, j'en ai plein. Et j'ai eu ces deux figurines, alors le voyant là, plus ça, pour la somme de 20 euros. Voilà, voilà. Je les ai jamais vus non plus, même sur internet. Donc je les ai pris. Je pense que c'est pas commun non plus. Hein. D'en voir au vide-grenier. Et pour finir, encore dans les M&M's, il y avait un lot de porte-clés qui était à l'époque offert par M&M's en 2014. On a le M&M's orange, le M&M's rouge, le M&M's marron, voilà. On a le M&M's encore marron. Encore le M&M's marron. On a encore le M&M's orange. Le M&M's rouge encore une deuxième fois. Et pour finir, il n'y en avait qu'un seul, celui-là. Le M&M's bleu. Et j'ai eu tout ce lot là de M&M's. Porte-clés, il y en a 8, dont 4 différents, pour la somme de 6 euros. Bon, j'ai négocié un peu parce que elle voulait me faire un euro pièce sans faire de prix, ça faisait 8 euros et j'ai dit 5. Elle m'a dit on essaye de couper à peu près la part en deux. On coupe à 6. Voilà. Et bon, j'ai accepté. Voilà. C'est tout pour ce vide-grenier spécial 15 août. Un feu d'artifice de jeux vidéo et de figurines.
Voilà, la vidéo est finie. Mettez un pouce bleu pour la pour le feu d'artifice. Merci, à bientôt.